Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous donner une petite solution quand votre PC redémarre or que vous appuyez sur le bouton arrêter. C'est parti! Nous voilà sur le PC. Donc, comme je vous disais, ici dans le menu démarrer, on clique sur arrêter. Le voyant ici en bas à droite va bien s'éteindre, sauf qu'il va se rallumer et le PC va redémarrer quelques secondes après. Voilà, donc là le PC redémarre. Une des solutions les plus fréquentes, c'est de désactiver le démarrage rapide sur Windows. J'avais déjà fait une vidéo qui en parlait. Donc ici, on va faire un clic droit sur le menu démarrer, option d'alimentation. Ensuite, on va ici sur paramètres d'alimentation supplémentaire. Ensuite ici, je vais choisir l'action des boutons d'alimentation, modifier les paramètres actuellement non disponibles. Et ici, je vais décocher activer le démarrage rapide recommandé. On enregistre et on va redémarrer notre PC. J'avais déjà fait une vidéo sur ce démarrage rapide qui en fait rallongeait de plusieurs dizaines de secondes le démarrage. Sur des machines qui sont passées à Windows 10, je vous conseille vivement de désactiver cette option. Là, comme on voit, on attend un peu, mais notre PC ne redémarre plus, le voyant reste éteint. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt !